Gold Cup? Who's going to win the Gold Cup? Oh my goodness, je n'avais pas vu les chaussures. Who's going to win the Gold Cup? Qui va gagner la Gold Cup? I don't know who the runners are. Oh, really? Stradivarius. Okay. Yeah. But one man, on a un connaisseur au moins. Well done. You know your stuff. Bon, lui, il sait pas qui court la Gold Cup, mais son pote nous donne Stradivarius dans la Gold Cup pour revenir aux choses un petit peu plus sérieuses. Kelly Torrey qui a été encore l'un des hommes de cet après-midi. Hop, descendez, on vous demande. Ah, ça va faire le zapping, ça. Vu ce que je viens de voir dans le rond de présentation, on est d'accord, elle a un physique assez parfait. Merci beaucoup. Non, elle a beaucoup changé. Je parlais de la jument. Hein. Elle a... Oui, merci. Non, elle est très bien. Les yeux de Vanima Lama Chavez, la Miss France 2019. Ouais, messieurs, qu'elle vient de me glisser à l'instant même à l'oreille, et vous passerez le bonjour aux deux playboys d'Equidia. Donc on est trois, je m'exclus complètement, donc c'est forcément vous. Là, vous mentez parce qu'on l'a à l'image et vous n'êtes pas du tout à côté, Stéphane. Mais écoutez, vous pouvez lui faire la bise de notre part, hein, Stéphane. Bah écoutez, j'attends l'interview, là, puis ensuite j'irai. Miguel Blancpain, regardez, hein, qui est aux infos ici. Elle a l'air enthousiasmée. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes ravissante, super belle. Vous avez apprécié ce que... d'assister d'aussi près à une course avec des jockeys ou trop. Et c'est vraiment très impressionnant de voir toute la contraction musculaire et les prouesses physiques qu'ils dont ils font preuve. Merci pour ces impressions. Ben, bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Tout le monde veut prendre une photo et en plus elle a un accent un peu espagnol, non? C'est ça? Ah, c'est tahitien. Ah, tahitien, ah, oui. C'est ça. Ah oui. Il toise combien sous là-bas? En tout cas, plus d'1m57. Très bien. Alors, est-ce qu'1m57, c'est la taille de Thibaut? Un peu plus. Non, non, j'étais à côté et effectivement, bien que je me sois tassé avec l'âge, c'est ça, ouais. Je fais 1m60, allez, on va dire 1m69, on va dire 70, et c'est vrai que ce poulain, lui, est très puissant. Ça a été un peu une course de stop-car. Ça a été moins percutant que la dernière fois à Robert. Dans les têtes, peut-être? Non, je peux parler. Là-haut, tu veux parler? Parler. C'est un petit peu trop long pour lui, je pense. Qui va contenir les différentes attaques et s'en poser une nouvelle fois? L'As Manito Park sera deuxième devant Mosqui et Google Pontadour. Et il y a quelqu'un qui crie. Oh là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est trouvé mal ou quoi. Non, non, pas du tout. Je crois que c'est plutôt des cris de bonheur et de joie. Ouais, mais je pense qu'elle a une chance. Qu'est-ce qui vous pousse à courir comme ça moins de 15 jours d'intervalle? Bah parce que les chevaux sont en forme. Ils peuvent aller au-delà de l'altitude au terrain. Et c'est manifestement le cas, Miguel, de Brebac Mountain. Vous êtes avec Yann Barbero. Non, pas du tout. J'ai avec Théo Bachelot. Avec Théo Bachelot. Hippodrome de Saint-Galmier. Ah oui, on n'avait pas vu ça, regardez. Ouh là là. Voilà. Il paraît que ça a été. J'ai eu ta maîtresse au téléphone, elle m'a dit que tu étais super sage. À la base, on fait. Catherine nous appelle pour nous faire un petit point info et météo. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus beau, Catherine. Ah oui, là, pour le coup, il fait très, 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 très beau. Très beau. Magnifique temps anglais, comme vous aimez bien le dire, là. Et pour m'accompagner tout au long de ces 6 épreuves que nous allons vivre ensemble, eh bien, j'ai à mes côtés Sifedine Doumia. Bonjour, Sifedine. Bonjour, Julien. En fait, c'est Abdel, c'est pas Sifedine aujourd'hui. Donc, et moi, c'est Sébastien, écoutez. Les courses de Casa. Sébastien, d'accord. T'es bien tonique tout à l'heure au moment du 8?
Ouais, alors c'est pas le problème d'être tonique, c'est plutôt le problème d'être un peu connard, un peu tonique. On va débriefer dans quelques instants, enfin tout de suite même, avec nos spécialistes ici sur le plateau. J'ai nommé Fabien Caillé et Guillaume Luix. Bonjour à vous, messieurs. C'est mieux avec la lumière ou alors c'est peut-être mieux dans le noir? Ça dépend de l'heure. Comment dois-je le prendre? C'est peut-être mieux dans le noir finalement. Oui, on va essayer de faire la lumière sur cette journée, Manu. Mmh. Allez, pousse, je il est arrivé. C'est moi qui ai le portail. Ah, ok, allez.